Jour 1. Nous sommes en train de promener le long d'une rivière gelée. Il fait moins 5 degrés. Nous sommes évidemment en Finlande, en Laponie, et nous sommes au nord-est de la Laponie, à 70 km du cercle polaire et 70 km aussi de la frontière russe. Kumpasin pelkäät, melua vai rauhaa? Kumpaa sinä kaihdat, yksinäisyyttä vai laumaa? Miksi sä itket, kun naapurissa jonkun lapsi nauraa? Olet syvää vettä, luokse pääsemätön vuori. Unohdettu ullakko, olet titaaninen kuori. Miksi sä itket, kun naapurissa jonkun lapsi nauraa? Miksi sä itket, kun radiossa joku rakkaudesta laulaa? Puhu äänellä, jonka kuulee, sanoilla, jotka ymmärrän, runoilla, jotka käsitän. Sinun tarvii tekstitykseen salaisuuksien selittäjän, kertojan kaikki tietävän. Puhu äänellä, jonka kuulen. Olen yksinkertainen, aina selitystä vailla. Sinä kartta monimutkainen, matka vierahilla mailla. Aujourd'hui, jour 2. Aujourd'hui, si tout va bien, mais on va essayer de faire voler le drone. On verra par rapport au temps. Ensuite, on ira faire du traîneau avec des chiens. Et cet après-midi, si tout va bien, on va faire de la motoneige. Voilà. Là, actuellement, on se trouve sur le fleuve Kiniyuki. On se trouve toujours au nord-est de la côte. Voilà. Donc, il fait moins 19. Aujourd'hui, il devra annoncer jusqu'à moins 19. Et on va dire une température raisonnable pour la saison. Allez, à plus.
Donc, aujourd'hui, nous allons faire une balade dans une ferme de rennes et potentiellement faire du traîneau avec des rennes. Ensuite, dans l'après-midi, on va aller au petit village Savuskonski, qui se trouve juste à côté de notre camp. Donc aujourd'hui, si tout va bien, on va faire une balade en raquette la matinée. On va faire voler aussi le drone, histoire de voir le paysage un peu plus haut. Et cet après-midi, vers les 16h, si tout va bien, j'irai sans doute faire un petit sauna avec, avec une petite baignade dans le fleuve, à 3 degrés. Mais ça, on verra plus tard. Allez, à plus tard. Un, deux, trois.
pas un peu glacé. Salut, c'est Didier Le Lapon de Finlande. Donc aujourd'hui on attaque notre deuxième jour de randonnée. Je pense qu'on va faire à peu près une dizaine de kilomètres sans aucun problème. C'est de la rigolade pour nous parce qu'on le fait à cloche-pied cette fois-ci. Tellement facile que voilà. Il fait moins 3 degrés, donc ce qui semble être, on va dire, presque l'été pour ici. Et dans l'après-midi, Coriz va faire un sauna. Donc il y aura des photos et tout ça, c'est là que je peux lui demander de voir les cloche-pied ou pas. En attendant, pendant cette randonnée, je le compte à l'arrêt, comme c'est super calme, on entend plein de bruit. Et c'est vrai que j'entends le loup, le renard et la belette. Et oui, c'est comme ça. Je suis un observateur, je l'aurais aiguisé. Donc le loup, je ne l'ai pas vu, ni le renard, et encore moins la belette. Mais je ne perds pas espoir. En attendant, souhaitez-moi bon courage, parce que j'en ai besoin. Par contre, vous qui êtes au chaud, à la limite, pour vous, c'est routinier. Allez, cool, et à bientôt. Donc, programme du jour. Aujourd'hui, nous allons faire du traîneau tiré par des motoneiges. Ensuite, nous allons faire une pêche dans un lac gelé. Et dans l'après-midi, ça sera balade et... Je les ai enlevés moi.